Bienvenue sur Hexagone FM, c'est Harry. Et je serai avec vous, et surtout avec les enfants, en cette période de fête de Noël. Et nous passerons une bonne heure ensemble. Avec nous, Lucie Marotte, qui à travers son album CD Lucie chante Noël, va nous accompagner en musique. Bonjour, ici Lucie Marotte. Je suis très heureuse de vous présenter les chansons de mon album de Noël sur les ondes de Hexagone FM. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Chantez, chantez Noël. Moi, qui est Lucie Marotte? Lucie Marotte est une chanteuse country francophone. Elle est originaire de la ville de Lévis au Québec, Canada. Elle a commencé à chanter à l'âge de 7 ans. Son ambition de devenir vétérinaire va changer et s'orienter vers la musique grâce à Yvon Vallée, lui-même musicien, qui l'ayant entendu chanter va l'emmener avec lui lors des soirées musicales afin de lui montrer des chansons, lui donner la chance de se perfectionner et de se faire connaître. Elle fit de la musique avec cet oncle Yvon, comme elle l'appelait, jusqu'à l'âge de 17 ans. Sur son album Vos demandes spéciales, elle chante avec les Gémeaux La Spagnola, une des premières chansons qu'elle a apprises dès l'âge de 7 ans. Cette chanson est sous l'album Vos demandes spéciales. Et devant l'immense succès que connaissait Lucie auprès du public, les Gémeaux produisent un album regroupant justement les chansons qui connaissaient le plus de succès avec Lucie. D'où le titre de l'album, Vos demandes spéciales, qui connut un grand succès avec notamment Une rose pour maman. Ou 103. Ou encore, ce soir, je pleure notre amour. Et s'en suivirent alors l'album Ce qu'on aime avec Vanessa, une des chansons de Lucie qui est le plus souvent demandée. Elle chante sur la scène du Grand Théâtre de Québec, au Théâtre Saint-Denis, au chic restaurant Le Rustique. Et lors d'une promo rétro, en collaboration avec Exposité et le restaurant Bar Étoile Le Lollipop, elle enregistre « Toi mon Lollipop ». Que vous pouvez retrouver sur l'album « Car je t'aime ». Lucie a été pendant longtemps identifiée à la musique country. Et dans les années 90, elle fut élue Miss Country par vote populaire du grand public et couronnée lors de Gala Meritas Country 3 années d'affilée. Lucie et Guy Lapointe rencontrent Martin Durand, un excellent musicien, et ensemble, ils préparent 2 albums avec des styles allant du country au pop-rock. C'est ainsi que virent le jour les albums Pour toute l'éternité et Car je t'aime. Ces albums ont été enregistrés au studio Denis Champoux avec la complicité de David Champoux, le fils de Denis, et de Martin Durand au saxophone, et de ses musiciens Jean-Philippe Arsenault à la basse,
Clément Robichaud au piano, Carl Auger à la batterie et Daniel Auger aux guitares. Plus tard, Guy Lapointe se tourne vers Fernand Pelletier pour produire les plus récents albums de Lucie, à savoir Succès Souvenir, 100% Country, Hits of 50s, La femme d'un seul homme. Parfois pleurer, non, non, malgré tous ces mots durs et méchants, non, non, tu es venu à moi souriant, oui, je suis tout à toi. Facile, non, je suis à la fois forte et fragile, non, ceux qui prétendent savoir tout de moi, non, ne disent que ce qu'ils ne savent pas, oui, je suis tout à toi. La femme d'un seul homme contient uniquement des nouvelles chansons dont la majorité des paroles ont été écrites par Linda Martel et Gilles Guillot, notamment les chansons Pour notre amour et Je t'aime. La plus belle de ton grand jardin de fleurs, suis-je encore toujours celle qui fait battre ton cœur. En 2012, l'équipe de production de Lucie Marotte a décidé de regrouper en coffret collection l'ensemble de son œuvre. Lucie Marotte nous présente son nouvel album « Lucie chante Noël ». Les clochettes du joyeux temps des fêtes. Bonjour, ici Lucie Marotte sur Hexagone FM. À l'occasion de cette merveilleuse fête de Noël, je tenais à vous présenter mon tout nouvel album « Lucie chante Noël ». Qui tombe, le traîneau vagabonde. Vous pouvez en écouter des extraits et même le commander en visitant mon site internet au www.lucimarotte.com, onglet boutique. Je vous souhaite de superbes fêtes. Son chapeau, sa canne et son foulard,
Il semble nous dire de temps menace. Ne voyez-vous donc pas tous les torts? Il dit vrai tout de même. Les enfants, ce message s'adresse à vous particulièrement. Nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios de Hexagone FM le Père Noël. Oui, vous avez bien entendu, le Père Noël en personne, qui après une longue nuit à vous distribuer vos cadeaux, vient passer une heure en votre compagnie. C'est une belle surprise, ça, hein ? Bonjour Père Noël, vous êtes vraiment là ? Bonjour, bonjour les enfants, je suis là, je suis vraiment là, je sais que vous m'attendiez avec impatience, on passera un petit moment ensemble, et si vous êtes sages, on partira vers les étoiles en musique, et je vous raconterai de belles histoires et contes de Noël. Les enfants, je vais vous raconter l'histoire du sapin de Noël. Il était une fois, mais il y a très longtemps, un bûcheron, en rentrant chez lui par une nuit d'hiver claire mais glaciale, et tomba en extase devant les étoiles qui brillaient à travers les branches d'un sapin recouvert de neige de glace. Pour expliquer à sa femme la beauté de ce qu'il venait de voir, le bûcheron coupa un petit sapin, l'apporta chez lui et le couvrit de petites bougies allumées et de rubans. Les petites bougies ressemblaient aux étoiles qu'il avait vues briller, et les rubans à la neige et aux glaçons qui pendaient des branches. Maintenant, vous savez, pour éviter de mettre le feu au sapin et à la maison, les bougies ont été remplacées par des guirlandes électriques. On écoute Noël Blanc directement du CD Lucie chante Noël. La nuit est pleine de chants joyeux, le bois craque dans le feu, la table est déjà garnie, tout est prêt pour mes amis, et j'attends l'heure où ils vont venir en écoutant. Tous mes souvenirs. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aimerais revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel. Je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blanc. Oh, quand j'entends chanter. Le sapin
scintillant la neige d'argent Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël Les enfants, je reviens auprès de vous. J'espère que vous avez été sages. Et je vais vous raconter l'histoire du sapin roi des forêts. Il y a très longtemps, l'hiver était là et il faisait très froid. Dans la forêt tout enneigée, un petit oiseau était tout seul, triste. Il avait une aile brisée et sa famille l'avait abandonné pour s'envoler vers des pays sans hiver. Il voltait péniblement d'un arbre à l'autre. Il neigeait fort et l'oiseau se réfugia dans les feuilles d'un énorme chêne. Hélas, va-t'en, vilain, je t'interdis de venir manger mes glands. Les uns après les autres, tous les arbres, tous, le chasseur. Complètement découragé, il se posa dans la neige, il allait sans doute mourir. Un dernier effort, il entr'ouvrit ses yeux, un sapin lui faisait signe. Viens, je ne suis pas méchant, viens, n'aie pas peur, installe-toi chez moi au chaud, mange mes graines tant que tu voudras. Le soir de Noël, le vent se leva, souffla de plus en plus fort. Tous les arbres perdirent leurs feuilles, tous, sauf le sapin qui avait accueilli le petit oiseau blessé. C'est depuis ce temps-là que le sapin est le seul à garder sa verdure tout l'hiver. Le sapin, roi des forêts. On écoute Au royaume du bonhomme hiver, titre que vous trouverez sur le CD Lucie chante Noël. Du joyeux temps des fêtes, annonçons la joie de chaque cœur qui bat. Au royaume du bonhomme hiver, sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde se monte tout autour nos chansons d'amour. Au royaume du bonhomme hiver, le voilà qui sourit sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble nous dire d'un ton bonasse, ne voyez-vous donc pas tous les torts. Il livrait tout de même, près du feu je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité, au royaume du bonhomme hiver. Écoutez les clochettes du joyeux temps des fêtes, annonçons la joie de chaque cœur qui bat. Au royaume du bonhomme hiver, sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde se monte tout autour nos chansons d'amour. Au royaume du bonhomme hiver, le voilà qui sourit sur la place, son chapeau, sa canne et son foulard. Il semble nous dire de ton bonasse,
Ne voyez-vous donc pas qu'il est tard? Il dit vrai tout de même. Près du feu, je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité, au royaume du bonhomme hiver. Au royaume du bonhomme hiver. Au royaume du bonhomme hiver. Me revoilà les enfants, je suis avec vous et j'aurais aimé vous raconter une histoire, celle du renne au nez rouge. Il était une fois, au pôle Nord, un vieux bonhomme très gai qu'on appelait le Père Noël. On était au mois de décembre et notre ami était très occupé. Tous les jours, il se rendait dans son grand atelier où des lutins fabriquaient des jouets très modernes pour les enfants. Il y avait aussi les rennes que le Père Noël visitait tous les matins, mais celui qu'il préférait s'appelait Rodolphe. Il flattait l'animal en disant « Tu es le plus petit de mes rennes, Rodolphe, mais tu es le plus beau. » Or, une nuit, que le Père Noël dormait et ronflait, le lutin Patapouf, qui prenait soin des rennes, dit à ses compagnons « Si on allait se promener dans la forêt cette nuit, qu'est-ce que vous en pensez, les amis ?»« Excellente idée, youpi !» En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Patapouf attela les rennes au traîneau du Père Noël, y compris Rodolphe, et les lutins partirent en criant « Quel beau voyage nous allons faire au clair de lune !» Les rennes couraient si vite que Rodolphe tomba dans un banc de neige. Il ne put se relever. Il eut beau crier « Attendez-moi, attendez-moi !» Hélas, les lutins poursuivirent leur course sans entendre le pauvre Rodolphe et se promenèrent dans la forêt pendant une heure, puis revinrent vers le Père Noël, se couchèrent et s'endormirent. Le lendemain matin, quand le Père Noël apprit que son renne Rodolphe avait disparu, il s'écria « Quel malheur ! Quand je pense que mon plus beau renne est perdu, mais c'est épouvantable !» Notre vieil ami allait désespérer lorsque la fée des étoiles arriva sur les lieux en disant « Ne vous en faites pas, Père Noël, on a retrouvé votre renne. Il était gelé, mais je l'ai soigné, dorloté. Maintenant, il est mieux. Seulement, il a le nez tout rouge. » Le Père Noël se rendit aussitôt dans le domaine des rennes et Rodolphe pleurait. Il disait dans son langage « Que je suis malheureux, mon nez est rouge maintenant. Père Noël, je suis laid et tous mes amis se moquent de moi. On m'appelle le renne au nez rouge. » Ne pleure pas Rodolphe, car cette nuit, c'est toi qui éclaireras la route de ma grande tournée sur la terre. Le petit renne au nez rouge se trouve également sur le CD Lucie chante Noël. Le petit renne au nez rouge, rouge comme l'humignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir pour le tu conduiras dans le ciel avec ton petit nez rouge, le chariot du Père Noël. Qu'une étoile au ciel, c'est le nez de nez rouge, annonçant le Père Noël. C'est le nez de nez rouge, annonçant le Père Noël.
Je suis encore avec vous les enfants, je suis là, spécialement pour vous. Et je vais profiter pour vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire du papillon rose et du papillon bleu. Il était une fois un délicat petit papillon rose dont les ailes étaient encore bien fragiles pour voler très haut. Et papillon rose se lamentait. Quand donc pourrais-je voler vers le soleil? Un jour, il vit se poser près de lui, sur la branche d'un cerisier en fleurs, un super papillon bleu aux grandes ailes déployées. Qu'as-tu, petit papillon rose? Tu sembles bien triste. Oh oui, répondit le petit papillon rose. Je voudrais tant voler très haut. Eh bien, lui dit le papillon bleu, accroche-toi sur mon dos et je vais te conduire là-haut où tu aimerais voler. Combien contrit, c'est ce que nous chante Lucie Marotte. Titre que vous trouverez également présent sur l'album Lucie chante Noël. C'est préférable de le danser encore boys et encore girls. Oui, habillé tout en country. Ce qui tape des mains et vous regarde trouve ça joli. Un pas, deux pas, trois et quatre. Imiter le bal, cheval, ce n'est pas si mal. Encore boys et cargas comme bien country. Un pas, deux pas, trois et quatre. Imiter le bal, cheval, ce n'est pas si mal. Encore boys et cargas comme bien country. Combien country, ceux qui tapent des mains et vous regardent trouvent ça joli. Encore boys et encore girls, je crois bien qu'ils vous envient. Cheval, ce n'est pas si mal. Encore boys et cargas comme bien country. Un pas, deux pas, trois et quatre. Imiter le val, cheval, ce n'est pas si mal. Encore boys et cargas comme bien country. Thank you.
enfants, je vois que vous êtes très sages. Et pour vous récompenser, je vais vous raconter une petite histoire, plutôt une légende. C'est la légende des flocons de neige. Il était une fois, il y a longtemps, habitaient des petits moutons argentés dans le ciel. Saint-Pierre les avait adoptés pour passer le temps. Il les surnommait Flo ou Flo. Cela voulait dire enfant, car ceux-ci n'arrêtaient pas de courir et de jouer partout. Ils étaient très doux, mais aussi très capricieux. Parfois, ils allaient courir dans le ciel, mais de petites étoiles restaient accrochées à leur laine. Un jour, Dieu décida d'emmener le froid au monde. Mais les petits moutons, très capricieux et nécessitant un petit confort chaud et douillet, se mirent à courir dans tous les sens sur les nuages, si vite que les étoiles se décollèrent de leur laine et tombèrent du ciel. Elle nous chante merveilleusement bien « C'est Noël ». Vous trouverez cette belle chanson également sur le CD « Lucie chante Noël, c'est Noël ». Lucie Marotte. Je vous propose d'écouter « Joyeux Noël », titre présent également sur le CD « Lucie chante Noël ». Sous
Le Père Noël s'est mis en route et son traîneau chargé de jouets et de cadeaux. Et les petits guettent et écoutent la ronde folle des reines dans le ciel. Et moi, pour vous, je fais ce simple vœu qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeune et moins jeune, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël, joyeux Noël. Les petits, savez-vous que le Père Noël donne des cadeaux qu'aux enfants sages? Écoutez cette fabuleuse histoire de Compote et Brioche. Dans la forêt de Charouane, Compote et Brioche se promenaient. Compote a 3 ans et son ami Brioche 5 ans. Elles rencontrèrent, devinez qui ? Le Père Noël. Il les invita chez lui pour boire un chocolat chaud. Avec les lutins, les petites filles préparèrent les cadeaux de Noël pour tous les enfants de la terre. Elles travaillèrent beaucoup sans connaître les cadeaux qu'elles auraient pour Noël. Les petites filles étaient tristes. Elles pensaient que le Père Noël les avait oubliées. Elles lui demandèrent « Où sont nos cadeaux ?» Il leur répondit « Oh mon Dieu, je vous ai oublié !» Compote et Brioche rentrèrent chez elles, le cœur gros et sans dormir. Le lendemain, jour de Noël, les petites filles se réveillèrent et trouvèrent dans leur chambre 2 gros paquets et avec une lettre. C'était le Père Noël qui leur avait amené de nombreux cadeaux. Quand arrive le jour de Noël, tous les enfants pensent à mettre leurs petits souliers afin de recevoir les cadeaux du Père Noël. C'est ce que nous chante Lucie Marotte, Petit Papa Noël, également sous son CD, Lucie chante Noël. Et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais un peu à cause de moi, il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai. Papa Noël, quand tu descendras
ciel avec des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises, petit papa. N'oublie pas mon petit soulier. Si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, tout ça avant demain matin, mets-toi vite, vite en chemin. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit papa, n'oublie pas mon petit soulier, petit papa Noël. Voici les enfants oubliés que vous trouverez également sur ce CD, et Lucie chante Noël. Les enfants oubliés traînent dans de brouillard, comme une volée de pauvres moineaux, ils ont relevé le bord des ruisseaux, recroquevillés sous le vent d'hiver. De l'éternité, les enfants oubliés n'ont pour seuls parents que les bruits des grands boulevards. Dans le creux de leurs mains, ils tendent aux passants des objets dérobés au bazar. Ils ont pour s'aimer de naïf amour la fragilité des mots de velours. Ils ont pour palais tout un dans les courants d'air des vastes cités. Les enfants oubliés traînent dans les rues tout comme de petits vieux.
ont froid, ils ont faim, ils sont presque nus, mais ce sont les enfants du bon Dieu. Les enfants oubliés traînent dans les rues, tout comme de petits vieux. Ils ont froid, ils ont faim, ils sont presque nus, mais ce sont les enfants du bon Dieu. Vous avez été très sage et attentif pendant tout le temps qu'on est resté ensemble. Et ça m'a fait plaisir. Et j'aurais aimé vous raconter une dernière histoire. C'est l'histoire de Père Noël pour les enfants qui ne sont pas sages. Je vous embrasse les enfants et surtout, soyez sages. Il était une fois un Père Noël très gentil, très très gentil, et qui décida un 20 décembre de livrer ses cadeaux aux enfants qui le méritaient et qui habitait pas trop loin de chez lui. Mais il avait oublié que sa caméra était en panne. Il l'emmena donc chez un réparateur qui n'eut besoin que de 4 ou 5 minutes pour la remettre en état. Le Père Noël rentra à la maison et visionna le film deux fois de suite. Et malheureusement, il découvrit que les enfants qu'il avait filmés étaient tous méchants. Dégoûté, il décida de se mettre en grève. Puis finalement, il prit la décision de leur laisser une chance. Sans les avertir, il leur laissa les 5 jours suivants pour se rattraper. Que se passa-t-il? Eh bien, ils ne changèrent pas de comportement et le Père Noël les priva de cadeaux. Consternés, les enfants décidèrent de réagir. Ils se mirent à stocker des tomates et des bananes dans leur frigidaire pendant toute l'année suivante. Et le jour de Noël, ils bombardèrent le Père Noël avec les fruits qui avaient bien pourri entre-temps. Hors de lui, le Père Noël décida de rendre son tablier. Qu'est-il devenu? Eh bien finalement, il se trouva une nouvelle vocation, celle du père Fouettard, qui lui convenait beaucoup mieux. Minuit chrétien, vous trouverez également ce titre sur le CD Lucie chante Noël. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit.
qui lui donne un sauveur. Un titre présent sur l'album Lucie chante Noël, c'est un medley Noël. Lucie Marotte. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantez, chantez Noël. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantez, chantez Noël. Du joyeux temps des fêtes, annonçant la joie dans chaque cœur qui bat au royaume du bonhomme hiver. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde, semant tout autour nos chansons d'amour au royaume du bonhomme hiver.
Le voilà qui sourit sur la place, sans chapeau, sa canne et son foulard. Il semble nous dire d'un ton menace, ne voyez-vous donc pas qu'il est tard. Il livrait tout de même, près du feu je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité, au royaume du bonhomme hiver. Moi, j'ai vu petite maman hier soir, en train d'embrasser le Père Noël. Il était sous le gui et me croyait endormi, mais sans en avoir l'air, j'avais les deux yeux entrouverts. Ah si, papa était venu qu'à passer, je me demande ce qu'il aurait pensé. Aurait-il trouvé naturel, parce qu'il descend du ciel, que maman embrasse le Père Noël. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime revoir mes joies d'enfant, le sapin scintillant. Noël, mon beau rêve blanc. Ici Lucie Marotte. Joyeuse période des fêtes à tous les auditeurs et auditrices d'Hexagone FM. Et c'est sur cette ère de Gloria Alléluia de Lucie Marotte que je vais vous quitter. Et sans oublier de remercier Lucie Marotte, qui est, rappelons-le, membre de l'Académie québécoise de la musique country, et qui nous accompagnait en musique tout au long de cette émission dans les studios d'Hexagone FM. Merci à Marité de Radio Gardanne. Je remercie Hexagone FM au Maroc de m'avoir invité dans ses studios. Merci à Radio Aria de Longwy en France, qui a permis la réalisation de cette émission. Et quant à moi, je vous invite à écouter absolument l'émission d'Harry, Fréquence Tropique, sur Hexagone FM le mardi de 20h à 22h. Yeah.